m'appelle Hamidou Marafa Jamila et je suis psychologue au centre pour BLD pour les femmes et les enfants. Je fais des entretiens avec les femmes, celles qui arrivent d'Agadez ou celles qui arrivent ici à Niami, avec ces dames, donc un échange d'expérience entre elles, donc le parcours migratoire. Je fais aussi psychoéducation. La psychoéducation, c'est une activité qui permet aux migrants de faire face à eux-mêmes. Et chacune d'entre elles, individuellement, parle de comment il est une situation, comment ça l'affecte et quelles sont ses stratégies de coping. Parce que chacun de nous a des stratégies propres à lui et quand il vit une difficulté, tout ça c'est pour renforcer la résilience. Ce que j'aime le plus, c'est de voir que les femmes qui arrivent ici traumatisées, déprimées, et qu'elles se sentent vraiment abandonnées à elles-mêmes, qu'elles ne savent plus quoi faire, qu'elles se demandent que leur vie n'a plus de sens, qu'avant qu'elles partent, que je vois en elles le sourire, qu'elles soient en train vraiment de reprendre et de vouloir encore se battre, encore pour une vie, pour encore reprendre leur propre vie. Enfin, et vouloir faire face même à cette famille dont elles se disent qu'ils seront rejetés, mais quand même elles disent que je suis apte à accepter, à faire face à tout ça. Et ça, c'est ça que j'aime.